Pour une grande première en Afrique, c'est avec beaucoup d'aménité que la Fondation Children of Africa et les autorités ivoiriennes sont allées à la rencontre de la princesse Ira de Fürstenberg et de son exposition Objet unique. À leur tête, le président de la République, Alassane Ouattara. Pièce par pièce, objet par objet, le chef de l'État s'est fait une idée du génie créateur d'une femme du monde. Heureux et fier que son pays accueille un tel événement, mais surtout pour son objet, profitable à la Fondation Children of Africa, le chef de l'État s'est exprimé cette fois par un sourire de grand jour, laissant ainsi le soin à la princesse Ira et à son hôte de dire quelques mots, fidèle écho de leurs pensées. C'est la première fois en Côte d'Ivoire, la première fois en Afrique tout court. Donc j'espère que ce soit le début d'une longue histoire qui va revenir ici souvent. Je suis très heureuse qu'il y ait eu autant de monde à cette exposition. C'est une exposition de mon amie la princesse Ira de Fürstenberg. Comme vous le savez, elle est la marraine de la fondation depuis de nombreuses années, depuis 1998. Et là, elle fait des objets merveilleux et elle a demandé que son exposition soit cette année à Abidjan. Plus de 100 pièces pour cette exposition, allant des objets domestiques aux animaux en passant par des parties du corps humain. Pour y parvenir, la princesse utilise principalement le cristal de roche qu'elle agrémente d'incrustations en or, argent, bronze d'or.